Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète Jetto. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle rapidement de la version break de la nouvelle Seat Leon, tout simplement parce que je pense que vous n'en avez pas beaucoup vu en vidéo. Il se trouve que sous la main, j'ai la version FR et je vais pouvoir te donner mes premières impressions sur le véhicule. Et je dois dire qu'elles sont plutôt bonnes parce que on a, pour le coup, un véhicule qui est bien élancé, une version break plutôt bien dessinée et qui, dans l'ensemble, en plus, forcément, dans cette version la plus sportive à l'heure actuelle, et cette couleur rouge est assez sympathique. Ça marche bien. Je dois quand même noter qu'effectivement, ça ressemble sur le profil beaucoup à la Focus SW. Vraiment, tu ressens la proximité en termes de design, mais pour le coup, ça, c'est beau, donc ça me plaît bien. Viens, on va regarder un petit peu côté porte-à-faux, parce que vu que la voiture a grandi par rapport à la précédente génération, t'en as un peu plus, et j'ai vu quelques commentaires qui disaient « Ouais, c'est vrai que c'est un peu conséquent. » Honnêtement, quand tu le vois au réel, quand t'es face à la voiture, moi, je trouve que ça marche bien, c'est bien dessiné. Comme c'est une version break, ce qui va surtout t'intéresser, c'est le coffre. Donc, viens, je te le montre. Coffre électrique, c'est un bon point. Et en termes de volume, ce qui est assez cool, c'est un truc que j'ai noté, est-ce que niveau lumière tu es bon, c'est que regarde comment c'est bien fait pour avoir encore un tout petit peu plus de coffre. Ça marche bien. Et si tu veux le replacer, c'est qu'une question de gestuelle, était plutôt bien lancé. Il est sorti JB, donc je vais pouvoir te montrer un peu. Il n'était pas sorti, il était là, il y a JB dans la voiture. Je vais vous montrer un peu niveau contenance. JB, merci d'évacuer le véhicule pour vous montrer qu'en termes de volume, ça va plutôt être pas mal. Alors, en soi, je pourrais enlever ces petites barres pour vous montrer au global, mais j'ai essayé la dernière fois, c'est un peu galère. Un point que j'ai noté, si par exemple tu as un animal ou un truc dangereux à mettre dans le coffre, c'est que tu as un petit filet intégré à ce niveau-là. Tu seras content de le savoir et que évidemment cette petite barre s'enlève. Qu'est-ce que je peux noter aussi d'autre? Fermeture électrique. Je suis pas sûr que ce soit le cas sur la version 5 portes. Et je vais te montrer un truc cool. C'est que sur cette version et uniquement sur cette version, on a un toit panoramique. Du coup, Joris, ce que je te propose, c'est que tu ailles de l'autre côté, que je leur montre un peu comment ça fonctionne parce que c'est assez marrant. Ils ont repris exactement le même système que sur la Golf 8. Allez Joris, on t'attend, il faut ouvrir la porte. Yes! Du coup, je ne sais pas si ça va marcher, mais ce que je voulais te montrer, c'est que en termes d'utilisation, c'est un système tactile. Tu n'as plus de bouton, tu swipes. Donc je vais tester parce que comme c'est des modèles d'expo, peut-être... Ah, ça marche! Magnifique! Regarde, ça s'ouvre. J'ai juste swipé avec mon doigt. Alors après, ça fait un peu flipper parce que forcément... Ah, il y a de la lumière, donc tu dois mieux me voir. Forcément, ce qui peut se passer, c'est que quand ça tombe en panne, tu sais pas. Un jour, tu vas swiper, ton doigt, il sera technologiquement plus au point et tu sauras pas quoi faire si ce n'est aller voir ton garagiste. Donc forcément, ça fait un peu flipper. Mais dans la version 5 portes, ce petit toit panoramique, comment il va faire du bien. Et du coup, c'est à peu près ce qui est le plus important à montrer sur ce break, qui en finition FR a plutôt de la gueule. Est-ce que tu veux, si tu veux, tu sais ce qu'on va faire. Là, comme il y a la version hybride, on va aller jeter un œil et voir s'il y a une petite information de plus à prendre. À la base, je voulais te montrer la version qui est juste derrière moi de la version break. Là, c'est une version FR hybride. Je crois que c'est 204 chevaux. Avec, comme tu peux le voir, c'est de l'hybride rechargeable. Honnêtement, Le gabarit, le dessin, pour moi, est plutôt bon. Il faut quand même noter que cette nouvelle Leon, elle évolue en termes de style. Donc, effectivement, si tu voulais un truc qui soit très proche de l'ancienne génération, bah ça va pas suivre. Mais c'est un véhicule qui est beau, honnêtement. Regarde cette face avant. Je sais que c'est proche de certaines choses qu'on a déjà pu voir, mais sur la Leon, c'est un dessin qui est très expressif. Et en version FR, ça a de la gueule. Donc moi, je suis plutôt preneur. Et Joris, si tu peux me faire un plan d'ensemble, je vais leur montrer un peu la vision break en version FR. C'est quand même bien, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec ce toit ouvrant, tout ça, c'est bien. Moi, je trouve ça cool. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Imagine-toi quand les versions Cupra vont sortir, mon gars. On va se faire plaisir. On devrait se faire plaisir parce qu'il y aura une version thermique et une version hybride. Et forcément, on regardera d'abord la version thermique et on jettera un petit coup d'œil à la version hybride. Tout ce que je peux te dire, c'est que mon sentiment encore aujourd'hui, j'ai vu vos premiers retours, pour le coup, je trouve ça bien fait. Moi, j'aime bien, que ce soit en break ou en version berline, je trouve que Seat a fait une mise à jour qui est intéressante et qui va plaire. Honnêtement, arrête de te casser la tête, laisse parler ton cœur, achète une Leon. Je sais que tu veux la Golf 8 parce que ça va mieux se revendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que demain, tu vas mourir et tu auras choisi la Golf. Je sais pas si on va la garder, cette partie de la vidéo, hein. C'est polémique, hein.